Monsieur Badama, si je vais vous titiller un peu, en tant que citoyen togolais, comment qualifiez-vous trois mandats du chef de l'État? Comment je qualifie les trois mandats du chef de l'État? Oui. Ouais, je suis citoyen, mais je suis aussi un humoriste. Je pense que là-dessus, il faut laisser la bonne personne à la bonne place, the right man at the right place. Il faut que les politiciens qui s'y connaissent mieux puissent apprécier la chose politique. Et moi, je peux mieux apprécier la chose humoristique. Bon, je suis citoyen togolais. Si on veut parler de trois mandats du chef de l'État, le chef de l'État togolais est d'abord un président d'un parti politique. Référons-nous à la définition du parti politique. Un parti politique, c'est une organisation durable qui cherche à avoir le pouvoir et à l'exercer le plus longtemps que possible. Donc là-dessus, je pense que le gars est dans sa logique et que c'est seul son parti politique qui pourra aujourd'hui le jauger pour voir si les objectifs sont atteints ou pas. En tant que citoyen, moi, je ne peux pas juger les faits du chef de l'État du moment où je ne détiens pas son cahier de charge. Le cahier de charge dont le parti, son parti lui a fait mission. Je ne détiens pas, donc je ne peux pas dire là, fait bien ou il n'est pas bien fait. Voilà, certains artistes togolais affichent leur appartenance politique. Mais vous, on vous sent décliner cette partie. Pourquoi? Certains artistes affichent leur appartenance politique. Ça, c'est peut-être c'est un point de vue qu'on peut aussi toutefois analyser pour voir si c'est vrai. Parce que on ne peut pas dire que quelqu'un est partisan d'un parti sans avoir vu au préalable la carte de membre de cette personne. Je ne sais pas si les artistes vous ont monté leur carte de membre pour vous attester qu'ils font vraiment, vraiment partie de l'organisation politique là. Ce qu'il faut dire, un artiste, c'est un prestataire de service. Il peut être appelé à vendre son service à un parti politique. Si je suis appelé, j'irai. Et là, je suis obligé de vanter le parti qui m'a appelé par rapport aux activités que j'exerce. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un artiste, quelqu'un artiste est de ce parti ou non. Est-ce que moi, vous allez dire que je n'affiche pas ma appartenance politique parce que ce que je vends n'a pas de couleur politique. Donc je ne peux pas afficher mon appartenance politique. Mais il faut faire attention à ces choses-là. Il ne faut pas que mes fans me voient peut-être demain avec un parti politique qui vont dire que ah, Badama s'est devenu imposant, bien Badama s'est devenu parti au pouvoir. Non, on peut m'appeler à faire une prestation parce que j'ai des bouches à nourrir. Je peux aller faire mon travail, gagner mes sous et retourner. Mais je ne peux pas prendre mon travail pour aller faire l'apologie d'un parti politique. Là, c'est pas bon. Vous comprenez? Mais l'artiste aussi doit manger. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Selon nos informations, nous avons appris que dans les jours à venir, vous allez créer votre propre parti politique. C'est pourquoi vous ne vous mêlez pas dans les affaires politiques. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai déjà voté. J'ai voté la dernière fois. Ce qui veut dire que j'ai un parti politique qui est dans mon cœur. Donc, affaire là-bas. Il faut dire que c'est des rumeurs. En tout temps, j'avais créé un parti politique humoristique, la JVA, qui est devenu comme Je vais arriver. Et le lancement a été fait à l'hôtel Mercure Sarakawa. C'est ça qui a poussé les gens à penser que je suis dans une affaire sérieuse. Non, je l'ai dit. C'était juste pour créer un peu d'un parti politique humoristique comme Dromican, comme le Gondwana, des trucs comme ça. C'est la logique là qui m'a amené. Mais les gens m'ont mal compris et puis ils m'ont jugé. Donc c'est faux. Je l'un de là, pour le moment, je n'envisage pas m'investir dans la politique. Je suis pour le peuple. Je dois travailler. Je dois apporter le rire à la population. Voilà, encore.